إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons inshallah ta'ala cette série L'ornement précieux des époux vertueux, et après avoir traité des sujets suivants en relation avec les droits de l'époux puis les droits de l'épouse, on va entamer donc cette troisième partie, et qui sont al-huquq al-mushtaraka, les droits donc qui sont communs, qui sont mutuels entre l'homme et la femme, ces droits qu'Allah Azza wa Jalla également a rendus obligatoires. Et on va voir que ces droits-là, ils sont de deux. Ils sont de deux. Le premier droit, haqq al-ishra bil ma'ruf. Haqq al-ishra bil ma'ruf. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, haqq al-mabit wal-qasm. Haqq al-mabit wal-qasm wal-adl, kadhalik. Donc ça, c'est les deux droits qu'on va étudier. Et pour ce qui est du premier droit, haqq al-ishra bil ma'ruf, on revient à ce verset du Coran. Ce verset du Coran, où Allah Azza wa Jal va nous informer et va nous donner l'ordre. C'est plus qu'une information, bel un ordre. يقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف هذه العشرة العشرة بالمعروف. C'est pour ça que les savants disent à partir de ce verset qu'Allah Azza wa Jal nous a donné ici un ordre. وعاشروهن بالمعروف. Ce verbe là, il est conjugué à l'impératif الأمر والأمر يقتضي الوجوب. C'est-à-dire que l'impératif implique l'obligation. Donc c'est une obligation. Ce haqq, c'est une obligation. Et celui qui va le délaisser, et donc qui va délaisser al-aisharatu bil ma'ruf wal mu'ashara bil ma'ruf, yata'atham ou ya'atham, c'est-à-dire qu'il va donc tomber dans le péché. Ya'atham wa yastahiq al-uquba, et il méritera donc le châtiment par rapport à cela. Et on va voir que ce droit-là, al-ishratu bil ma'ruf, il va se constituer de trois points essentiels. Le premier point qui va revenir à la niya de la personne, l'intention. Le deuxième point qui va revenir al-qawl, qui va revenir à la parole de la personne. Et ensuite, le troisième point qui va revenir à ce qu'on appelle mu'amalatul hasana, as-saliha. Donc le comportement qui est vertueux, le bon comportement. Pour ce qui est de le premier point, et qui est an-niyya, il faut savoir donc que cette relation conjugale, elle ne sera bonne que si la personne, dès le départ, déjà avant son mariage, il a une bonne niyya. Et que durant son mariage, il a une bonne niyya. Donc tout part du cœur dans un premier temps. An-niyya, cette intention, elle a donc un rôle fondamental et primordial pour ce qui est de cette relation qu'il va avoir entre l'homme et la femme, et qu'elle se fasse donc cette relation suivant al-ma'ruf, al-ma'ruf. Et comme le disent les savants, al-ma'ruf kullu ma wafaqa shar'a Allah, ça c'est le ma'ruf, c'est tout ce qui est en relation, tout ce qui est en harmonie et tout ce qui est conforme à la législation d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui est conforme à la législation d'Allah Azza wa Jal, bien entendu. Et même si cela, il va rentrer encore de manière plus générale ce qui rentre dans al-urf, comme on l'a déjà dit, à l'habitude. Mais même cette habitude et même ces mœurs qu'il va y avoir, elles doivent être en conformité avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Et son contraire, al-munkar, qui est kullu ma khalafa shar'a Allah. Al-munkar, kullu ma khalafa shar'a Allah, c'est-à-dire tout ce qui va être en non-conformité, qui va être en désaccord avec la religion d'Allah, ça c'est le ma'ruf. Donc déjà la personne, il faut qu'elle ait cette niya,
elle est cette niya qui est pieuse. L'homme, avant qu'il se marie, avant qu'il choisisse sa femme et qu'il commence cette nouvelle vie avec elle, il doit avoir une bonne niya. Qu'il fasse cela avec une bonne niya, et de même pour ce qui est de la femme. Allah Azza wa Jalla dit dans son Coran: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Mais les retenez pas pour leur faire du tort. Donc Allah Azza wa Jalla nous précise ici dans ce verset, si on veut rester avec nos femmes, si on veut les retenir, mais les retenez pas pour leur faire donc du mal. Si on veut les retenir, on doit donc les retenir pour faire le bien. Donc en ayant une niya, une intention de faire le bien. Par contre, si notre intention est de les retenir pour faire du mal, alors dans ce cas, on n'a pas le droit de les retenir. Et celui qui va faire cela, et qui va donc transgresser, لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Et celui donc qui va faire cela, quiconque agit ainsi, va faire du tort à lui-même. Donc regardez déjà la niya qui est prise en compte ici. La personne, pourquoi il va garder donc sa femme et retenir sa femme? Pourquoi? Est-ce avec une bonne niya? Ou est-ce avec une niya qui est faussée dès le départ et qui est malsaine? Allah al-musta'an. Et donc que cette niya, elle repose sur l'envie et sur le désir que les rapports conjugaux soient les meilleurs. Et l'observation des droits également, de tous les droits qu'on a cités auparavant, et les droits également qui vont venir. Et également que ce soit basé sur la protection de l'honneur, que ce soit l'honneur de la femme, que ce soit l'honneur de l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui ont cette niya, dès le départ, ceux déjà qui ont une bonne intention, ça de toute manière l'intention, que ce soit elle pour les a'mal salihah, c'est-à-dire pour les bonnes actions. Et bien entendu, ici on va rentrer dans les bonnes actions. Allah Azza wa Jal, s'il sait qu'il y a le bien dans la personne, et que sa niya est ainsi, et qu'il s'efforce de faire des efforts, Allah Azza wa Jal donne l'accord, il donne la réussite, bi-idhnillah. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. Si donc Allah Azza wa Jalla il sait dans vos cœurs un bien, alors il va vous donner un bien. يؤتكم خيرا. Il va vous donner donc un bien dans ce qui va ressortir de vous, dans ce qui est apparent, que ce soit dans la parole, que ce soit dans le geste, que ce soit dans le comportement. Même certains savants, بعض أهل العلم, ils disaient, il incombe à l'homme, au mari, qu'il renouvelle son intention chaque jour par rapport à ses relations. Et principalement par rapport à ses relations avec sa femme. Qu'il renouvelle donc cette intention, cette bonne intention. Qu'il ait toujours une intention qui soit sincère, une bonne intention pour ce qui est de ses relations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si la personne, elle a cette niya, automatiquement il va lui augmenter sa récompense. Et on a vu également, masalat al-ihtisab, celui alladhi yahtasib, celui qui a la conviction sur la récompense d'Allah et qui a une bonne intention. Allah azza wa jalla, à ce moment-là, il va lui augmenter encore plus sa récompense. Il va lui la rendre encore plus énorme. Et donc l'homme, de par cette intention, inshallah ta'ala, wa bitawfiq Allah azza wa jalla, de par l'accord d'Allah azza wa jalla, il changera. Il changera ce qu'il y a en lui-même et ce qui va apparaître de lui. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla yaqul, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne modifie pas, ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ça, c'est pour ce qui est de al-niya, et qui est le premier point, et qui va rentrer dans al-ishratu bil ma'ruf. Ensuite, le deuxième point, al-qawl, donc la parole. Et donc que cette parole soit en conformité avec la religion, dans tout ce qu'il va dire, dans tout ce qui va sortir de cette bouche, alors que ce soit en conformité avec la religion. Bil ma'ruf. Et comme on l'a dit, kullu ma wafaqa shar'a Allah. Et bien entendu, on sait par rapport à al-qawl, par rapport à la parole. Et ça, c'est une base dans la religion et dans la vie de tous les jours, en plus donc de ce qui va être de cette vie conjugale. Qu'ils craignent Allah Azza wa Jal dans ce qu'ils disent. Enam, la crainte d'Allah Azza wa Jal dans ce qu'on va dire. Et ceci, c'est une base. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith authentique, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah et au jour dernier, fal yaqul khairan aw liyasmut. Qu'ils disent donc un bien ou qu'ils se taisent. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, à plus forte raison, quand ça vient de l'homme envers sa femme et de la femme envers son homme. Et donc, il doit donc préserver. Hifdul lisan. Donc, préserver
sa langue, de dire des choses qui vont blesser. On va y revenir dessus. Et également l'istiqamatu, istiqamatu lisan, donc la droiture dans cette langue-là. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans son livre, il a non seulement commandé, il a fait une recommandation, wasiya à ceux qui étaient avant nous, les communautés qui étaient avant nous. Et cette wasiya, cette recommandation, elle est également valable pour nous. Elle est également valable pour notre communauté. Lorsqu'il a dit Allah Azza wa Jal, wa qulu lin nasi husna, ayez donc de bonnes paroles avec les gens. Al-qul al-hasan, la bonne parole, l'agréable parole, la saine parole, cette parole-là qui va être favorable à son auteur, non seulement dans la vie d'ici-bas, et également dans la vie de l'au-delà, où il va retrouver les traces également dans la vie de l'au-delà, en plus de cette vie d'ici-bas. Il faut se rappeler tout le temps, chacun de nous, que cette parole, celle qui sort donc de la bouche, jamais on pourra la faire revenir. Ça, c'est impossible. Lorsque la parole, elle sort de la bouche, tu ne peux pas la reprendre et la faire revenir. C'est fini. Lorsqu'elle sort, elle est sortie. Personne n'a la capacité de la faire revenir. Donc réfléchis si cette parole, elle va être blessante et vexante. Lorsque tu vas blesser ta femme, vexer ta femme, ou lorsque toi, l'épouse, tu vas blesser, tu vas vexer ton homme, tu ne pourras pas annuler cette parole-là et la faire revenir. Elle sera sortie, c'est fini. C'est pour ça que dans beaucoup de cas, Wallah al-Musta'an, la parole elle surgit comme une flèche qui est tirée. Et ses conséquences sont bien souvent redoutables. Un cœur qui est blessé, des préjudices, dissipation de l'affection, inham. Des moments la parole suffit pour faire disparaître, pour dissiper l'affection, également la tendresse. Et bien au contraire, elle va également naître, faut faire naître la naissance du remords et de la tristesse. C'est pour ça que les savants ont dit que al-mu'asharatu bil ma'ruf fil qawl tourne autour de plusieurs axes. C'est-à-dire donc cette parole-là, pour ce qui est de cette relation conjugale, elle tourne autour de plusieurs axes. Le premier, c'est an-nida. Le premier, an-nida, qui est donc l'appel. Le deuxième, at-talab, qui est donc la demande. Le troisième, al-muhawara wal-hadith, qui est donc la discussion. Et la quatrième, al-khilafat ou al-niqash, lors de la dispute. Al-mu'asharatu bil-ma'ruf fil-qawl tourne donc autour de ces quatre axes que l'on va détailler maintenant. Pour ce qui est donc de an-nida, an-nida qui est donc l'appel, il faut savoir donc que pour concrétiser hadhihi al-ishra bil-ma'ruf en ce qui concerne la parole, lorsque tu appelles ta femme et toi l'épouse, lorsque tu appelles ton homme, alors choisis les noms les plus aimés auprès de lui. Enam. C'est pour ça, et on a un modèle dans notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui espère l'au-delà. Il disait, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il appelait donc sa femme, Yunadi Zawjata Aishata radiyallahu ta'ala anha, kana yaqul ya Aish. Ya Aish. Donc on voit qu'il utilisait ce nom, qui était donc un diminutif. Il ne disait pas Aisha, mais il disait Ya Aish. Wahada, comme l'ont précisé les savants, min bab al-ikram. Donc la générosité dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également al-mulatafa, également la tendresse dans la parole qui va ici apparaître. Al-ikram wa al-mulatafa, Ya Aish. Et ça, en réalité, c'est un minhaj, c'est une méthode et une voie que tout musulman doit prendre pour ce qui est donc d'une nida. Et donc, par là, il va falloir s'éloigner. S'éloigner donc pour concrétiser cette ishara de ce qu'on appelle wahsha. Donc la parole qui va être, ou plutôt l'appel qui va contenir la parole dure, la parole sauvage, la parole qui est froide, ou as-sukhriya. Également la moquerie. Donc la femme, lorsqu'elle appelle son homme, elle ne cherche pas à le rabaisser, en choisissant donc des noms qui vont être très mal appropriés. De même pour ce qui est de l'homme. Au contraire, ils doivent choisir ce qui paie le plus. Et comme les savants le rappellent également, ce qui fait partie de l'ikram, c'est qu'on appelle bilkunya. Par exemple, fulan, ou abu fulan. Ça également, ce sont des termes qui sont appropriés et qui conviennent lors de l'appel.
et qui rentre donc dans al-mu'asharati bil ma'ruf fil qawl 'inda an-nida, 'inda an-nida, au moment donc de l'appel. Pour ce qui est du deuxième axe, le deuxième axe at-talab, ce qu'on appelle donc at-talab, et ce qui est la demande, également ici ça va apparaître. Il va apparaître donc cette parole au moment de at-talab. Et donc on doit le faire lorsqu'on fait une demande, lorsque l'homme il fait une demande donc à sa femme, il doit la faire de la meilleure des façons. Il doit toujours avoir à l'esprit et se rappeler qu'il la fasse de la meilleure des façons. C'est-à-dire qu'il ne doit pas faire apparaître et faire ressentir à son épouse lorsqu'il lui demande le service qu'elle est là uniquement pour cela, en lui faisant ressentir l'idlel ou l'intiqas, c'est-à-dire le rabaissement. Bien au contraire, il faut qu'il sache employer la façon et la manière de demander cette khidma. Et bien au contraire, si l'homme, il sait utiliser les bonnes paroles, il sait utiliser la meilleure façon lorsqu'il demande à sa femme, bien au contraire, al-jawab ou al-istijab, c'est-à-dire donc la réponse de la femme se fera de la meilleure des façons, se fera également de la meilleure des façons. C'est pour ça que les savants donnent un conseil lorsqu'on demande. Lorsque l'on demande, c'est ce qu'on appelle mukafa'a 'inda at-talab. Al-mukafa'atu 'inda at-talab. C'est tout simplement compenser au moment de la demande. Et comment elle se fait cette compensation? Cette compensation, elle se fait, et l'une des meilleures façons de la faire, c'est tout simplement en utilisant l'invocation, ad-du'a, au moment de la demande. Ad-du'a, donc de faire une invocation. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de cette communauté sallallahu wa sallam alayhi, lorsqu'il demandait. Donc faire une dua et accompagner cette demande d'une dua jusqu'à que la femme elle sente et elle ressent donc le bien, et en même temps un rappel pour elle que cela c'est un bien pour elle de répondre donc à la demande de son mari dans ce qu'elle peut et dont elle a la capacité. Et également un conseil qui est donné par les gens de science, c'est que souvent on voit apparaître le désaccord conjugal lorsqu'il y a la multiplication de ces demandes de service. Imam. C'est-à-dire que la personne, elle sache à quel moment elle demande le service. Et elle sait ne pas multiplier ses demandes de service également. Et encore plus lorsqu'ils sont accompagnés, comme on a dit, de froideur et d'un ton sec. Ceci donc dissipe l'amour dans le cœur et également l'affection dans le cœur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et même, également, lorsque la femme, elle répond donc à cette talab, elle répond de la meilleure des façons. Et si elle ne peut, elle fait comprendre également de la meilleure des façons. Ça aussi, ça rentre dans l'istijab, l'istijab et talab. Et ça rentre donc dans cet axe-là. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était mu'takif, lorsqu'il restait donc en retraite dans la mosquée, et il a demandé à Aïcha, Nawilini al-khumrata min al-masjid. Il lui a demandé donc al-khumra qui est sajjad. Donc c'est un tissu ou autre, une partie où l'on met une partie de son visage au moment de la prosternation, que ce soit un tissu ou un autre. Tayyib, Nawilini al-khumra. Donc donne-moi cela min al-masjid, depuis donc la mosquée. Comment elle a répondu Aïcha à ce moment-là, alors qu'elle n'avait pas la capacité de faire cela? Pourquoi? Qalat faqultu inni ha'id. Fakultu inni ha'id. Et bien entendu, la femme ne peut rester dans la mosquée en cet état-là. Fakultu inni ha'id. Tout simplement, elle a répondu en mettant en évidence son état et qu'elle ne pouvait, et dans ce qu'elle, elle croyait, elle ne pouvait donc répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc directement en lui faisant comprendre, et de la meilleure des façons, son état. Inni ha'id. Sans rien d'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, faqal inna ha'ibataki. Laysat fiadik. Et donc, tes menstrues ne sont pas dans ta main. C'est-à-dire qu'à partir de là, elle pouvait faire passer de par sa main ce que lui avait demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est du troisième axe, et le troisième axe, c'est al-hadith. Al-hadith. Wal-muhawara. Donc, ce que l'on traduit par la conversation, par la discussion. Également, ici, il y a un adab à avoir. Et donc on doit concrétiser cela au niveau du qawl,
al-qawl fil 'ishrati bil ma'ruf. Il faut savoir que l'homme, que ce soit l'homme ou que la femme, il sache lorsqu'ils veulent parler, lorsqu'ils veulent avoir une conversation, une discussion, encore plus sur des sujets qui sont importants, qu'ils sachent donc utiliser les moments qui sont prospères et judicieux, les moments qui sont convenables. C'est-à-dire éviter les heures de fatigue, enam, les heures de fatigue. Et également, ce qui est commandé et recommandé dedans, ou à l'intérieur de cette discussion, c'est en employant les bonnes paroles, et ce qui est également convenable. Ça également, ce sont des choses que la personne doit observer, des règles que la personne doit observer au moment de la conversation, au moment de la discussion. Pour ce qui est du quatrième axe, al-khilaf, au moment donc où apparaît le désaccord entre l'homme et la femme, wala-bout, obligé un jour ou l'autre que le désaccord il apparaît. Alors ici également il y a à avoir des adabs, c'est-à-dire il y a à avoir un comportement. Et la parole ici, le qawl qui va sortir, il faut le soumettre donc à des règles. Si ça vient donc de l'homme, si l'homme est mécontent, et si l'erreur est venue à ce moment-là de la femme, alors qu'est-ce qu'il doit faire dans un premier temps? Il doit préciser et mettre l'accent donc et le point sur l'origine même du désaccord. Et donc, si elle reconnaît à ce moment-là la femme, alors qu'il lui fasse donc remontrance, ou alors qu'il l'excuse à son choix. Mais il faut éviter à ce moment-là qu'il débute en l'attaquant de toutes parts, sans faire même comprendre, et d'essayer de mettre en évidence, dans un premier temps, donc l'aspect de l'erreur. Ça également, c'est des erreurs que l'on fait. Donc, au moment du désaccord, on doit tout simplement préciser. On doit préciser et mettre le point sur l'origine même de ce désaccord. Donc le faire, bi'aql, le faire avec raison, et non s'emporter pour la colère. Et c'est pour ça que Aïcha, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait quand Aïcha elle était en colère, elle était contrariée, et qu'en elle-même, elle dissimulait ce qu'il ne lui plaisait. C'est pour ça que, lorsque Aïcha, elle était non contrariée, elle disait « Rabbi Muhammad ». Elle jurait donc par le Seigneur de Muhammad. Et lorsqu'elle était contrariée, regardez donc ce adab. Regardez où ça s'arrêtait. Qu'est-ce qu'elle faisait tout simplement? Elle jurait, elle disait « Rabbi Ibrahim ». Lorsqu'elle était contrariée en colère, elle disait « Rabbi Ibrahim ». Elle disait par le Seigneur d'Ibrahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, de savoir que sa femme, que son épouse était en colère. Et ici un hadith qui est également ajib. Regardez ici la parole qui va sortir du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il va apparaître un désaccord, où il va apparaître ce qui peut venir entacher la relation. Dans cette qissa ajiba, lorsque Salama radiyallahu ta'ala anha avait envoyé un plat, et Salama était connue pour bien cuisiner, elle avait envoyé un plat au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était donc auprès de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Qu'est-ce qu'elle a fait Aïcha de par sa jalousie? Donc ici, ce qui a pris le dessus sur Aïcha, cet aspect naturel qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé chez la femme, et qui se traduit par al-ghayra, qui se traduit tout simplement par la jalousie. Qu'est-ce qu'elle a fait Aïcha? Elle a tout simplement, au moment où on lui a présenté ce plat, elle a tout simplement frappé le plat de sa main, jusqu'à que le plat est tombé par terre et il s'est cassé en deux. Regardez donc cet état des faits. Regardez comment ça s'est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muta'ammidan, de son plein gré, elle a fait tomber le plat et elle l'a cassé en deux devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, l'un de nous, si notre femme faisait cela devant nos yeux, si elle faisait tomber un plat où il y a de la nourriture, et comment cette nourriture à cette époque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était précieuse. Ce n'est pas comme de nos jours. Qu'est-ce qu'aurait été notre réaction? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a tout simplement dit une parole.
simplement dit une parole pour préciser d'où est venu le problème. Et en réalité, pour pardonner. Pour pardonner cet aspect naturel qui se trouve chez la femme. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Rarat ummukum. Rarat ummukum. C'est-à-dire votre mère. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va employer le terme. Salawatullah wa salamun alayhi. Fayaqul rarat ummukum. Votre mère. Elle a eu un instant de jalousie. Et c'est ce qui a provoqué ce geste-là. Qu'est-ce qu'il a ensuite fait le prophète salawatullah wa salamun alayhi? Il a tout simplement, il s'est rabaissé. Il a racolé les morceaux, les deux morceaux de ce plat et a rassemblé la nourriture dans ce plat-là. Voilà ce qu'a fait le prophète salawatullah wa salam à ce moment-là. Ça, c'est l'état des pieux. Ainsi était donc l'état de ces pieux-là et comment ils réagissaient. C'est pour ça que certains gens de science rappellent une histoire qui s'est passée avec un des grands savants, un des savants de l'islam. Lorsque un de ses étudiants est venu le rendre visite chez lui, il lui a rendu visite donc dans son propre foyer. Et au moment de cette visite-là, au moment donc de son assise dans ce foyer de son chir, il a vu un enfant qui le servait, un enfant qu'il aimait. Bar jiddan, c'est-à-dire un enfant qui faisait preuve d'un grand respect par rapport à son père, qui lui obéissait et qui le servait. Et cela en réalité ça a plu et ça a même étonné l'étudiant. Et lorsque l'enfant il est sorti et qu'il lui a posé certaines questions sur son fils, au chir, il lui a donc conté son comportement. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, j'ai vécu avec sa mère 20 années, 20 sana, et jamais elle ne m'a donné un sourire, ce fût un seul jour, jamais elle ne m'a souri. Qu'est-ce qu'il a fait, cette personne, ce savant-là ? Il a patienté. Il a patienté durant tout ce temps. Et il lui a dit donc ensuite, voilà ce qu'Allah Azzawajal m'a donné. Il m'a dédommagé, Awadaran. C'est-à-dire qu'il m'a dédommagé par ce que tu vois, par cet enfant-là. Allah Azzawajal donc a fait succéder cet enfant-là, dont il se réjouit, dont il embellit les yeux. Donc on voit ici un résultat, le résultat de la patience, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour ou l'autre, il donne la récompense, et la plus belle des récompenses, que ce soit dans cette vie d'ici-bas, ou que ce soit dans l'au-delà. Et on reviendra sur la patience, sur cette patience-là, qui va également apparaître donc au niveau de la parole, au niveau de la parole, au niveau du désaccord. Et c'est pour ça que la personne, là où elle fait preuve réellement de maîtrise, c'est au moment où elle se met en colère. Au moment où elle se met en colère, et au moment où la colère monte en lui, c'est à ce moment-là qu'il doit faire preuve de perfection. C'est à ce moment que la perfection de l'homme, elle va apparaître. Et c'est là qu'il doit faire preuve de maîtrise. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là qu'il va multiplier la récompense. Il multiplie, subhanahu wa ta'ala, la récompense de l'homme en fonction de sa patience. Et devant, et avant tout devant sa femme, la personne qui va être l'une des plus proches auprès de lui. Et celui donc qui répond par l'ihsan, celui qui répond donc par la perfection, par la bienfaisance, Allah Azza wa Jal, il lui donne cette récompense, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Et il reste auprès des gens, al-dhikr al-hasan, c'est-à-dire qu'on se rappellera de cette personne-là de la meilleure des façons. C'est pour ça qu'on dit un terme qui est connu, une phrase qui est connue, inna l'insan uhduthatun ba'da mawtihi. Inna l'insana uhduthatun ba'da mawtihi. C'est-à-dire donc que la personne, une fois qu'elle meurt, après sa mort, on va parler de lui. Soit on va se rappeler de lui en bien, soit on va se rappeler de lui en mal. On va se rappeler de son image, l'image qu'il a laissée après sa mort. Donc qu'elle soit la meilleure et encore plus auprès de son épouse, ou alors son épouse auprès de son époux. Ça donc c'était pour ce qui était du quatrième axe. Tayyib. Donc on avait dit Al-ishratu bil-ma'ruf fil-qawl, elle a quatre axes. Donc que ce soit Al-nida, que ce soit Al-talab, que ce soit Al-hadith ou que ce soit Al-khilaf. Donc ça on a vu les deux premiers points. Ça rentrait donc fil-qawl. Et celui qui avance c'était le premier point, c'était Al-niya. Et maintenant on va voir le troisième point, et qui n'est pas des moindres également, et qui est le mu'amalatul hasana as-saliha, c'est-à-dire le comportement
vertueux, le bon comportement. Également, ça c'est ce qui va apparaître fi al-ishratu bil ma'ruf. Al-ishratu bil ma'ruf fi al-mu'amalati al-hasana as-salihah. Et on sait que ce comportement-là, il doit être bâti, et il doit être fondé sur le respect, le dévouement, la compréhension, l'entente, le pardon, également la reconnaissance, l'amour et la tendresse. Inam, hadhihi al-mu'amala al-hasana as-saliha qu'il y a entre les deux époux. Et donc cela vient s'ajouter en plus de l'intention et de la parole. Et ça vient compléter donc cet aspect général qui va être lui basé sur la vertu par excellence. Alors que la personne, que ce soit l'homme et que ce soit la femme, que ce soit l'époux, que ce soit l'épouse, qu'il soit ou qu'il n'aime, qu'il soit actif et assidu à s'approprier de ce qu'on appelle donc le bon comportement. Husn al-khuluq, le comportement islamique, le comportement vertueux. Et celui qui va faire preuve de cela, c'est celui dont Allah Azza wa Jal va lui donner une grande récompense. Il va élever son hauteur, il va lui amplifier sa récompense. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani et qui est authentifié par Sheikh al-Albani rahmatullah ala al-jami'a, يقول النبي صلى الله وسلم عليه أكمل المؤمنين وفي رواية إن أحبكم إلي celui qui est le plus aimé auprès de moi. Dans une autre version, أو إن أحبكم إلى الله, celui donc qui parmi vous sont les plus aimés auprès d'Allah عز وجل. Et dans une autre version, أكمل المؤمنين إيمانا, أكمل المؤمنين إيمانا, celui donc ou le croyant qui est le plus complet et le plus parfait par rapport à sa foi. Par rapport à sa foi, أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith, il nous met en évidence et nous éclaire sur l'importance de ce comportement, le comportement vertueux. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. نعم, c'est là où ça va se jouer. C'est là où on va voir où la personne c'est un réel croyant. On va voir le degré de sa foi et la perfection de sa foi. Ahasinuhum akhlaqa. Ahasinuhum akhlaqa. Ceux qui ont donc le meilleur des comportements. Le comportement vertueux. Les auteurs de ces comportements qui sont, ou de ce comportement qui est vertueux. Al-muwatti'una aknafa alladhina ya'lafun wa yu'lafun. Ceux donc qui aiment les gens et qui sont aimés. Al-muwatti'una aknafa. C'est-à-dire donc qui ont un caractère qui est simple, abordable, plaisant, modeste, et qui sont loin donc de l'orgueil, de cet orgueil-là. Et également, lorsque les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, lorsqu'ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec des cœurs qui étaient remplis de désir, et lui ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui faisait rentrer le plus le croyant au paradis. Pour que, pas une question vaine, mais une question afin qu'ils l'appliquent, afin qu'ils appliquent cette réponse qu'ils ont demandé les compagnons et qui étaient les plus assidus au bien. Qu'est-ce qu'il aurait répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Taqwallah wa husnul khuluq. Ce qui fait rentrer le plus dans le paradis, taqwallah wa husnul khuluq. Donc la crainte d'Allah, la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnul khuluq, et le bon comportement. Et qui est le plus en droit de ce bon comportement? Sachant, et ça c'est une base, nasib al-akmal, donc la plus grande part de ceux qui vont prendre ce droit-là, sont ceux qui sont les plus proches de toi. Inam, ceux qui sont les plus proches de toi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé, ou lorsqu'on lui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé qui était la personne qui était le plus en droit de ce bon comportement. Ma haqqun nasi bi husni sahabati. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit ummuk. Il a dit ta mère. Parce que c'est la personne qui est la plus chère et la plus proche. Il a dit ummuk. On lui a redemandé. Thumma man.
Il a répondu au prophète sallam une deuxième fois, Ummuk, et on lui a redemandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à lui de répondre une troisième fois, Ummuk, Thummaman, et ensuite il a répondu à Bouk. Donc on voit dans ce hadith que celui qui va être le plus en droit par rapport à Dil Mu'amal al-Hasana al-Saliha, c'est celui qui est donc le plus proche, c'est lui qui prend al-Nasib al-Akmal, celui qui prend donc la plus grande part de ce comportement. Et donc, ici, l'une des personnes la plus proche de toi, après tes parents, si ce n'est ta femme, et pour la femme, si ce n'est son homme. Et malheureusement, ce qu'on peut voir, et qui va en totale contradiction, et même dont on a peur, al-Nifaq, c'est-à-dire donc l'hypocrisie pour ces gens-là, pour ces gens dont tu vois, lorsqu'ils sont en dehors de chez eux, et lorsqu'ils sont devant les gens, ils sont doux, ils ont le bon comportement. Alors que lorsqu'ils rentrent chez eux, lorsqu'ils rentrent chez lui, par exemple l'homme, alors tu vois qu'il montre ses crocs, Wallah al-Musta'an. Et devant la femme, al-Mar'atid Da'ifa, devant cette femme qui est devant lui faible, il se comporte de la pire des façons. Hada wa min al-Nifaq. Ça fait partie de l'hypocrisie. War-ri'a, c'est-à-dire, ça fait partie également de l'ostentation devant les gens. Alors que celle qui aurait dû être le plus en droit par rapport à ce comportement, c'est ta femme. Et de même pour la femme, celle qui doit être le plus, qui a le plus le droit à ce comportement, donc, c'est celui qui va être le plus proche de toi. Et donc, l'homme, il va avoir cette part également. Et donc, celui, comme l'ont conseillé les gens de science, celui qui veut améliorer son comportement, et qui veut faire des essences, ou qui veut faire des efforts dans ce sens-là, alors qu'il commence par qui ? Qu'il commence par sa femme. Ou que la femme, elle commence par son homme. Celui qui veut réellement, qui est sincère, et qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'avant tout, et on reviendra à cela, hada taqarrub ila Allah azza wa jal. C'est un rapprochement que l'on fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahabbakum ila Allah. Les plus aimés auprès d'Allah azza wa jal. Ce sont ceux qui sont les meilleurs dans leur comportement. Donc c'est un taqarrub. Comme la personne, elle se rapproche d'Allah Azza wa Jal par les prosternations, par les sadaqas, elle se rapproche également par Allah Azza wa Jal de par cette al-mu'amala, al-mu'amalatul hasana, qui est ici le troisième point et qui rentre fil ishrati bil ma'ruf. Le prophète sallallahu alayhi, lorsqu'on revient à ce modèle, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi, pourquoi on le dit à chaque cours, c'est un dhikr, c'est un rappel pour nous. Khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi. La meilleure des voies, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi. Le prophète, lui, qui conduisait, qui a conduit donc la communauté, la nation musulmane. Le prophète sallallahu alayhi, qui lui-même se dressait sous son minbar et il mettait en évidence ce qu'Allah azza wa jalla a rendu illicite et ce qu'il a rendu illicite. Le prophète sallallahu alayhi, lui-même qui dirigeait les armées pour faire triompher la cause d'Allah azza wa jalla et pour que son nom soit le plus élevé. Pour élever cette religion, cette noble religion, qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec toutes ses qualités qui étaient réunies en lui? Quand il rentrait chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il faisait, c'était de remplir le cœur de ceux qui étaient devant lui de tendresse, de douceur, de compassion. Il rentrait donc avec un cœur qui était débordant d'amour et de tendresse. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que lorsqu'il rentrait, la première chose qu'il faisait, comme thabata anhu salawatullah wa salamun alayhi, la première chose qu'il faisait, il utilisait son siwak. Avant de rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait le siwak. Ça, c'est quand il rentrait chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi il faisait ça? Tout simplement pour être sous le meilleur aspect. Et le prophète sallam détestait qu'on puisse sentir de lui une odeur déplaisante. Donc regardez l'intérêt qu'il portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à ce qui est extérieur. Et ça, on en a déjà parlé pour ce qui était de l'embellissement de l'homme par rapport à sa femme. Comme la femme par rapport à l'homme. Et c'est pour ça qu'Ibn Abbas, comme on l'avait déjà cité, il disait, Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, anhuma, il disait, j'aime me faire beau pour ma femme comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. Ça, c'est pour ce qui est donc de l'aspect extérieur. Mais également, lorsqu'il rentrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il employait les meilleures paroles et les plus plaisantes des paroles. Et il faisait preuve également de tendresse, que ce soit donc dans la parole et dans le geste. Fil mu'amala. C'est pour ça que Aïcha, regardez, lorsqu'on a questionné Aïcha radiallahu ta'ala anha, lorsqu'on a questionné sur l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans son foyer,
Qu'est-ce qu'elle a dit? Kana fi khidmati ahli. Kana fi khidmati ahli. Regardez, des paroles qui sont simples. Et regardez comment elle va tout simplement faire apparaître Avil Mu'amala. Comment le prophète s'est mis comporté lorsqu'il rentrait chez lui. Kana fi khidmati ahli. Il était au service de sa famille. Il était le meilleur, sallallahu alayhi. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عليه lorsqu'il a dit وانا خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي, c'est-à-dire je suis le meilleur pour ma famille. Et wallahi, ceci ce n'est pas une imperfection, bien au contraire, c'est la perfection même fil muamala. Et bien entendu, c'est une élévation. La personne qui était la plus élevée auprès d'Allah Azzawajal, comment elle se comportait. Regardez comment elle se comportait. Ça, c'est au moment où il rentrait, où il restait chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'on pourrait encore citer. Et lorsqu'il sortait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il sortait? Vous savez ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsqu'il sortait et lorsqu'il allait prier, il embrassait sa femme. Sallallahu alayhi wa sallam. Avant même de sortir, il embrassait sa femme. Est-ce qu'il faisait simplement par shahwa? Est-ce qu'il faisait simplement par simple désir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, il le faisait tout simplement par tendresse et par miséricorde. Bil rahmati wa bil lutfa. Il le faisait pour faire ressentir à cette personne-là, à son épouse, qu'elle avait une place dans son cœur. Regardez donc cette mu'amala. Al mu'amalatul hasana, as-saliha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'être du meilleur comportement avec ses compagnons, avec les gens d'extérieur, il l'était avec sa famille. Et c'est notre modèle. C'est notre modèle, salawatullah wa salamun alayhi, pour que l'on concrétise ce verset du Coran qui est min bab al-wujub wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Et on pourrait longuement parler sur ce sujet. Également, s'il trouvait dans sa maison un plat fait par une de ses épouses qui lui plaisait, alors il remerciait avant tout Allah subhanahu wa ta'ala. Il remerciait, il était reconnaissant également envers son auteur. Alors que s'il ne trouvait pas cela, et le contraire, il ne disait rien. Il ne critiquait même pas, en aucun cas, la nourriture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et min mu'amalati, c'est qu'il faisait rentrer, itral surur ala ahli. Il faisait rentrer donc la joie dans sa famille, comme il l'a fait avec Aïcha, lorsqu'il buvait derrière elle. Également, lorsqu'il faisait la course avec Aïcha et tout ce que l'on pourrait encore citer. Et ici donc, le sujet serait long si on parlerait de toutes ces qualités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, une chose que l'on va mettre également en évidence et qui est importante. Si l'homme, il voit de sa femme le mauvais comportement, et si la femme, elle voit de son homme le mauvais comportement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire par rapport à cela? Si la femme, elle se comporte bien avec son homme et qu'en échange elle cultive ou elle retrouve dureté, froideur et mauvais comportement, qu'elle trouve la critique ou ce qui casse le cœur et le blesse, ou l'indifférence ou l'ingratitude. De même pour ce qui est de l'homme. Si l'homme, il trouve cela de sa femme, si lui, il se comporte de la meilleure des façons avec sa femme, ou d'une bonne manière, et qu'il trouve en récompense cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans un premier temps, et comme on l'a dit, et comme on l'a cité, il faut qu'il se rappelle que cette mu'amala al-hasana, avant tout, il l'a fait pour Allah Azzawajal. Il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'attend de rien donc de cette créature, mais qu'il attend tout d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est ceux qui réussiront le mieux, c'est ceux qui seront le plus élevés, et c'est ceux dont Allah Azza wa Jal, tôt ou tard, va concrétiser des choses dont eux, ils ne s'y attendaient pas. C'est pour ça que le prophète Zakaria, alayhi salam, Zakaria, qui avait demandé à son Seigneur, qui lui n'a pas eu d'enfant,
et qui a demandé, qui n'a cessé de demander. Et regardez donc l'invocation ici, comment elle a duré cette invocation. Et comme il a persévéré dans cette invocation et qu'il n'a jamais désespéré de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal avait dit « Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya » C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zakari. « Idh nada rabbahu nida'an khafiya » Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète. « Qala rabbi inni wahana al'azmu minni » Et dit, ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux, déçu en te priant, ô mon Seigneur. Je crains le comportement de mes héritiers après moi. Et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Qui hérite de moi, hérite de la famille de Jacob. Et fait qu'il te soit agréable à mon Seigneur. Ya Zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismu Yahya. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Yahya, nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Regardez donc, après tout ce temps, ce qu'Allah Azzawajal lui a donné. Ce qu'Allah Azzawajal lui a donné. Et également dans ce verset, et qui est en relation avec Zakaria, qu'est-ce qu'il a dit également Allah subhanahu wa ta'ala ? Hada wa shahid. Qu'est-ce qu'il lui a donné à Allah subhanahu wa ta'ala? Avec cette patience-là, dans les du'as. Et également avec cette patience-là avec sa femme. Pourquoi avec sa femme? Parce que dans le verset également, il est cité « Wa aslahna lahu zawjahu »« Wa aslahna lahu zawjahu » Donc, on lui a réformé sa femme, « Al-islah »« Wa aslahna lahu zawjahu » Et c'est pour ça que beaucoup de savants disaient que cette femme-là, la femme donc de ce prophète, Zakaria, n'avait pas un bon comportement. Kanata subbu, c'est-à-dire que même elle arrivait à l'insulter. C'est pour ça que l'imam Talha, également Atta, parmi les Mufassirin, il disait filisani atul, c'est-à-dire donc qu'elle avait des paroles qui étaient plus que blessantes. Et donc dans ce verset-là, wa aslahna lahu zawja, c'est-à-dire qu'ensuite, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a réformé sa femme. Après donc tout ce temps et toute cette patience qu'il a eue, Allah Azza wa Jal, il a réformé donc cette femme. Et c'est pour ça que l'on voit, wa nushahid, que l'on voit et que l'on entend parmi ceux qui nous ont précédés, que certaines personnes ont eu cette ibtila par rapport à l'exemple donc d'une femme qui n'est pas reconnaissante et qui, bien au contraire, bil muqabil, c'est-à-dire en réponse à la bonne attitude et au bon comportement, ils trouvent le contraire. Et c'est pour ça que beaucoup ont patienté. Ils l'ont fait pour Allah Azza wa Jal. Ils ont patienté devant cela. Et on voit que chez certains d'eux, après qu'ils ont eu la maladie, et que toute leur famille, ou la plupart de leur famille qui était auprès d'eux, se sont éloignés après cette maladie. Et on trouve qu'Allah Azza wa Jal, de par cette patience-là, il place. C'est celui donc qui change les cœurs. On voit qu'à ce moment-là, après toutes ces années de mauvais comportements, on voit que la femme, Allah Azza wa Jal, il lui donne à ce moment-là, dans son cœur, la tendresse. Et qu'elle se voue à ce moment-là à lui. Et donc ça, c'est une récompense qu'Allah Azza wa Jal donne déjà dans cette vie d'ici-bas. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal, après cette patience-là, il va changer les cœurs. Et que donc, ici, on a la récompense dans cette vie d'ici-bas. Et encore plus dans l'au-delà. Donc ça, c'est pour le premier droit, ce qu'on appelle donc haqqul 'ishrati bil ma'ruf. Le deuxième droit également que l'on va citer et donc qui est haqqul mabit, également haqqul al-qasm wal 'adl. Alors il faut savoir, et c'est un des objectifs du mariage, comme on l'a cité dans les premiers cours, que lorsque l'homme il se marie et la femme elle se marie,
ils veulent également par là al-irfaf, c'est tout simplement la chasteté, et protéger et se préserver donc de tomber dans l'un des grands péchés, dans l'un des plus laids des péchés, et qui est zina, al-fahisha, al-fahisha, ayadan billah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a incité les jeunes à se marier, qu'est-ce qu'il leur a dit? فَإِنَّ وَرَبُّ لِلْبَصَرْ. Donc cela va être plus profitable pour vous, pour abaisser le regard. Ça va donc vous aider à abaisser le regard, ce mariage. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Et également, ça va être plus chaste pour vos sexes, donc de les protéger, de tomber dans ce qui est dans le haram. Dans ce qui est dans le haram. Et c'est pour ça qu'on avait vu également dans les cours, et on avait précisé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis en évidence que même fil jima', même dans cette relation sexuelle, il a été placé une récompense. Que la personne, elle prend une récompense. Pourquoi? Parce qu'elle aurait très bien pu faire cet acte-là dans le haram. Elle l'a fait dans le halal. Allah Azza wa Jal lui a remplacé donc cela par une récompense. Et comme on avait vu donc ce droit, donc qui est haqq al-mabit, donc le fait de rester, al-mabit que l'on pourrait donc traduire, le fait de rester auprès de sa femme et d'avoir donc la relation. Et ça c'est mutuel, que ce soit l'homme par rapport à sa femme, la femme par rapport à l'homme. Et on avait vu également, pour ce qui était des droits de l'homme envers sa femme, qu'elle doit répondre, et à titre obligatoire qu'elle doit répondre à l'appel de son homme. Et on a vu également, lorsque Abu Darda il était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ce qui était arrivé avec Salman, on l'avait déjà expliqué dans les cours également, en citant le hadith et l'expliquant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit « Sadaqa Salman », Salman il l'a dit juste lorsqu'il avait dit « Wali ahlika alayka haqqa » et ta famille a par rapport à toi et sur toi, donc à titre obligatoire, un droit. Un droit donc, ce droit-là. Et on sait que le musulman, il se rapproche d'Allah Azza wa Jal, non seulement par l'accomplissement des obligations, mais également par le délaissement de ce qui est interdit. Et l'une des plus dangereuses descentes, descendre dans les abîmes du péché, comme on l'a cité, c'est Az-Zina. Az-Zina, Al-Fahisha, Fahishatan, Wa Maqtan, Wa Sa'a Sabila. Là où l'honneur, elle est bafoué, l'honneur de la femme ou l'honneur de l'homme est bafoué, Wallah al-Musta'an. Et comment? Et on sait qu'Allah Azza wa Jal, il va préserver donc l'homme et la femme, et parmi les Asbab, il va préserver l'homme de par une femme qui va être vertueuse. Il va préserver la femme de par un homme également qui est vertueux. Et donc on voit également ici ce qui va être important et ce qui va revenir encore et qu'on a déjà précisé, l'embellissement. Inam, afin que l'homme ne soit pas tenté. Et encore plus à notre époque, l'époque de la fitna qui est arvima. Et parmi donc ce haqq, haqq al-mabit, c'est que l'homme, il ne doit pas donc rester en dehors de la maison de longues périodes et sans nécessité, et surtout pour ce qui est du soir, Bard al-Isha, c'est-à-dire donc après la prière du Isha, ou alors, suivant bien entendu, un temps qui va être pas trop tardif, et encore plus donc la nuit. Inam. Ça, c'est un droit qui va être mutuel et qui va rentrer dans Haqq al-Mabit. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit de beaucoup de frères. Yasharoun, c'est-à-dire qu'ils passent les soirées entières et les nuits entières en dehors de la maison. Ça, c'est ceux qui ont bafoué ce droit-là. Hadha haqq, haqq al-mabit. Ils l'ont bafoué, na'am. Parce que la femme, elle a un droit sur toi. Comme toi, tu as un droit sur elle. Elle, à ce moment-là, a un droit également sur toi. Et c'est donc mutuel. Et c'est pour ça que l'homme, il doit faire attention. Il doit donner donc ce droit. Et encore plus, donc en soirée. Et après le Isha. Au lieu de passer des heures en dehors de la maison. Fil batil. Ou dans des choses qui n'ont aucun intérêt. Alors qu'il le passe au yahtasib fil ajr, qu'il donc ait la certitude de ce ajr, de cette récompense, et qu'il la passe donc auprès de son épouse. Et une des choses qui est très importante pour que la personne puisse observer cela de la meilleure des façons, c'est ce qu'on appelle tartib al-awqat, c'est-à-dire que la personne sache gérer son temps. Inam. Ça c'est très important, que la personne elle sache gérer son temps, tartib al-awqat, qu'elle sache donc donner un temps à tout par rapport à son travail, et par rapport donc à ses droits, donc le droit par rapport à son épouse, et également lorsqu'on verra également le droit par rapport aux enfants. Et une chose donc où on met l'accent et on en montre la gravité, c'est ce qu'on appelle le sahr, le reste, donc le fait de rester éveillé la nuit et donc de passer les soirées comme on l'a dit, et encore plus lorsqu'on passe ces soirées là en dehors
du foyer. Hadha dammara buyut al-muslimin. Ça, ça démolit des foyers entiers, des foyers de musulmans. Na'am. Wa daya'a huquq az-zawjat. Et ça a été la source de la perdition des droits des femmes. Wa sabbaba at-talaq. Et également, ça a été la cause des divorces. Cette nuit-là, Allah Azzawajal, où il a placé donc cette nuit-là comme une phase de repos. Et ce repos-là qu'on trouve auprès de son épouse. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا. Fondeur de l'aube. فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا. Il a fait de la nuit une phase de repos. Il a fait de la nuit une phase de repos. Ici une question qui va se poser. Sachant que les savants qui ont divergé donc en deux avis, est-ce que la femme ou est-ce que l'homme, il doit avoir un rapport, donc venant de lui, il doit avoir un rapport avec sa femme de manière obligatoire ou pas? Sachant que la parole la plus authentique, c'est que c'est obligatoire. Naam. Obligatoire donc, qu'il ait donc un rapport avec sa femme. C'est-à-dire que al-wat wajib. Et ça c'est le madhab de l'imam Abu Hanifa et de l'imam Ahmed. Et c'est l'irtiar, le choix de l'imam ou de shir de l'islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Et les savants, ils ont divergé également par rapport donc au droit de la femme, par rapport donc à l'intensité donc de ce rapport. Certains savants ont dit qu'elle a droit donc, elle a un haq tous les 4 jours. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont vu que dans la législation, l'homme peut se marier avec 4 femmes. Et donc, et c'est ce qui va rentrer donc dans Al-Qasm et également dans l'Adl, c'est qu'il doit passer la nuit auprès de ses femmes. Et donc s'il passe la nuit auprès de ses femmes, il va passer donc, s'il en a 4, il va passer donc une nuit tous les 4 auprès d'une de ses femmes. Donc à ce moment-là, ils ont dit une nuit tous les 4. Ça c'est donc un avis des savants. Et d'autres savants qui ont dit que c'est suivant en fait son désir et sa force, que ça va revenir tout simplement à l'homme lui-même, suivant donc son désir, suivant sa capacité. Et ici également une question que l'on va poser, c'est que l'homme, il doit se rappeler que même, comme on a dit auparavant, même dans ce rapport, il a une sadaqa, c'est-à-dire donc, il a une récompense. Il va avoir donc une récompense. Et il a une sadaqa, comme s'il avait donc fait une sadaqa. Et ceci, dans tous les états. Et il se peut donc que sa femme, elle soit belle. Et donc, qu'il soit le plus attiré par sa femme. Dans ce cas-là, en principe, ça ne pose de problème. Taïb. Mais le cas où la femme n'est pas belle, naqs fil jamel, qu'elle n'est pas belle, qu'Allah Azzawajal ne lui a pas donné cette beauté-là. Mais c'est souvent que l'on trouve, inam, c'est souvent que l'on trouve qu'Allah Azzawajal, même s'il n'a pas donné la beauté à une femme, il lui a donné en compensation un caractère. Il lui a donné du din en compensation. Inam. C'est pour ça que l'on trouve, et de manière rare, une femme qui va être très belle et qui a un grand din. Inam. Parce que sa beauté pour elle, ça va être une fitna. Bien au contraire, la beauté de la femme, dans beaucoup des cas, c'est une fitna pour elle. Et ça va être la source même de son égarement. Wallah al-musta'an. A la kulli hal, si la femme, elle n'est pas belle, et peut-être que l'homme, au bout d'un moment, sera là de cet époux, alors qu'il se rappelle et qu'il fasse donc cet acte-là en se rappelant le hajar, en se rappelant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se rappelant donc ce hajar et en se rappelant ce haq al-mabit, qu'il le fasse donc pour Allah azza wa jal. Et cela, bien entendu, à ce moment-là, la récompense elle sera encore plus grande. Subhanakallah wa bihamdika. Shadun la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.